voir le petit mot de Shipman qui dit ton snap t'annonce, je n'étais absolument pas prêt. Ouais, j'ai. Bah, c'était ma tête quand j'ai vu le filtre en fait. Et voilà, ça a donné ça. Baissons un petit peu ce son qui est très très fort dans mes oreilles, je ne m'entends pas moi-même. Et pourquoi? Pourquoi cette ombre? Oh, je te jure, ce fond vert dégueulasse. Peut-être que si je me décale en fait, ce sera problème solved. Je suis plus tout à fait. Voilà! Là, on est sur l'arc-en-ciel! Et bonsoir à ceux! Elle apparaît telle un Pokémon sauvage! Et bonsoir à ceux qui me rejoignent! J'espère que vous allez bien! J'espère que vous avez passé une bonne journée, que vous passez une bonne soirée! Oui, vous avez bien vu! C'était le jour du burger du jeudi! Et donc ce soir, pas de sortinale, hein, puisqu'on l'a fait mardi! Hein. Maintenant, plus de programmation, nous ne sommes plus soumis et ni imposés des sortinales à un jour fixe! Et c'est bien parce que ça vous oblige à passer plus souvent! La route arc-en-ciel, synonyme de course des enfers dans Mario Kart. Oh, c'est clair, qu'est-ce que j'aimais pas cette map. C'est horrible, mais je tombais tout le temps, vraiment trop nul sur cette map. Et donc oui, mon burger était fort délicieux. Par contre, Twitter, faudra qu'on m'explique ce qui se passe sur Twitter. C'est-à-dire qu'à un moment, sur Twitter, j'ai décidé de suivre des gens parce que nous avions peut-être une... passion commune, en l'occurrence des jeux vidéo, et maintenant je me retrouve avec tout et n'importe quoi sur ma TL, de gens que je ne suis alors absolument pas, mais qui font des 18K RT sur « j'aime pas faire la vaisselle, mais une fois que je commence à la faire, alors je peux plus m'arrêter, on peut même me demander de faire celle des voisins. » Et franchement, j'ai autre chose à foutre que de regarder ça. Mais j'en viens à un point où maintenant, en fait, je ne regarde plus Twitter. C'est-à-dire, puisque comme je ne vois pas les trucs qui m'intéressent et que je vois que de la merde, j'ai l'impression qu'on est arrivé sur Facebook, et ben je ne regarde plus du tout. Voilà. C'est la déchéance de Twitter. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si vous avez le même ressenti que moi sur Twitter actuellement, mais c'est vraiment infâme, quoi. Alors que moi, à la base, j'aime bien Twitter, parce que justement, c'est le moyen pour moi de suivre les influenceurs aussi que j'aime, ou les potos, ou voilà. Mais je vois tout sauf ça dans la télé. Ah, tu follow des gens qui ont des astuces vaisselle, c'est du propre. Ah, c'est peut-être pour ça, oui. Banao, en montrant ça, ça me saoule aussi. Parce que je vois ça. Ah! Oui, non mais là... Attendez, je vous ai... Du coup, j'ai cité le tweet aujourd'hui en disant... mais que se passe-t-il sur Twitter? Je ne comprends plus Twitter. Mais c'est la seule et dernière fois que vous verrez un truc comme ça émanant de moi. C'est juste insupportable. Du coup, ce que je suis en train de faire... C'est que je suis en train de me dire qui dans ma TL RT ces trucs et ou like, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui sont juste like, qui sont quand même mis dans la TL des gens alors qu'on n'a rien demandé, tu vois. Parce qu'à la base, le principe de RT, c'est pour partager aux autres, comme ça les autres le voient, tu vois, mais pas pour venir pourrir la TL des gens. Tu peux aimer un truc, mais t'as pas forcément envie que, ah, j'ai bien aimé, du coup je vais l'imposer à toute ma TL de ceux qui me suivent. Ça se voit, tu n'as jamais discuté avec des féministes pro-religion. Ceci étant, c'est vrai que j'ai échappé à ça jusqu'à présent. Je n'ai pas été trop inquiétée par les véganes, féministes. Voilà, je reste. Je suis bien avec tout le monde. Alors, DRWT, mais qu'est-ce que donc que cet acronyme incompréhensible? C'est bien sûr le Donjon Rusher World Tour. As-tu vu mon cher Thanos avec des Sidophus? Tiens, en parlant de donjon, ah, Lifa a quelque chose à nous dire. Ah ben j'attends la suite de l'histoire avec impatience. Le cas de la guilde de Jill te teach tout le CP sur WoW. Oui. C'est mon chauffeur de Uber sur WoW, c'est normal. C'est ses bises. Tiens, en parlant de Thanos, il en faut un sur Twitter. Mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez de Thanos là tout de suite maintenant. Je t'avais envoyé l'image sur Snap. Ah, j'ai peut-être pas regardé encore. Au fait, Nao, y a-t-il un système de parrainage en Dofus et pour un ami? Exactement. D'ailleurs, je crois que si je vais sur Dofus... Attends, je vérifie un truc du coup. Si je vais sur ma chaîne YouTube, que je vais sur la dernière vidéo que j'ai mis en ligne... Et que je vais dans les informations sous la vidéo, j'ai rejoint moi sur Dofus avec mon lien de parrainage. Voilà, alors n'hésite pas toi aussi à rejoindre Dofus en étant parrainé par la meilleure des marraines, à savoir moi bien sûr. Et oui,
D'ailleurs, Nao, à quand du WoW ? Eh bien, je pense en faire ce week-end, parce que ce week-end, du coup, il y aura un nouveau donjon sur Dofus. Et du coup, je pensais faire comme la dernière fois, tu vois, enchaîner avec un petit peu de World of Warcraft pour au moins avancer, peut-être viser au moins le niveau 25. Voilà, ça me dirait bien. On devrait mettre mon lien de parrainage comme ça aussi en raccourci, mon pote. Ça pourrait être pratique et servir. Nao est très modeste, bah bien sûr. Toujours, moi, toujours. Moi, j'aurais dit la meilleure des parraines et non marraine. Ouais, mais non, c'est moche, parraine. Je m'en occupe. Ah, merci, Chiman. Aka, le meilleur modérateur. Aka, le meilleur donateur de la semaine. Aka, le nourrisseur de bits de Nathalie du jour. Tout va bien. Aka, le meilleur voisin. Je suis littéralement un homme mouton. Je peux mordre. Soyez gentil sur le chat. Il s'est fait une commande. C'est quand la prochaine Sortinale, vu que c'est trop bien les Sortinales? Eh bien, il y en a déjà eu une cette semaine, donc pas cette semaine maintenant. Je pense qu'on va mettre un petit peu de jeux vidéo, parce que quand même, on a des trucs à avancer sur les jeux vidéo. On est à jour sur Dofus au niveau du Donjon Rusher World Tour, mais nous avons plein de trucs à faire sur d'autres jeux. J'ai plein d'envies, plein de trucs. On a commencé l'aventure God of War. Il y a plein de jeux qu'on a débuté qu'on n'a jamais vraiment terminé. Je pensais à Kingdom Deliverance, Assassin's Creed, tout ça, parce que je ne peux pas jouer assez. Voilà, parce que je travaille. Alors, j'ai tourné une vidéo d'ailleurs au travail. C'était hier. Voilà, j'ai fait un petit tournage. Une vidéo qui sortira. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est quand qu'on te revoit bouger ton boule? Ah, ça! C'est la manière de me dire, c'est quand qu'on fait un Just Dance? Bah, travaille pas. Ah, si. Ça a l'air facile, dit comme ça, Insane. Écoute, je serais ravie de développer mon auto-entreprise, mais nous n'en sommes pas là. Ceci étant, je travaille sur des projets, non pas pour Ankama cette fois, mais bien pour ma société, si on peut dire. Pour moi-même, du coup. Et j'espère pouvoir vous en parler très prochainement, mais en tout cas, c'est si ça se fait, si ça se réalise, croisons les doigts, ce sera du pur positif. Et j'ai un autre projet, en fait j'ai plusieurs projets, voilà. Mais en tout cas, il y a un projet aussi qui me tient à cœur depuis longtemps, qui s'il se lance, me demanderait du temps aussi en plus. Vous savez que je cours quand même un petit peu après le temps, que ce soit pour YouTube, pour Twitch, et pour ma vie privée aussi, ça peut arriver. Insta aussi, que je commence à bien étoffer, hein, si vous me suivez. Et bien, ça me demanderait encore plus de travail. Donc voilà pourquoi je rechigne un peu à lancer. Mais en vrai, ça pourrait être grave cool. Donc non, mais je ne tease pas. Déjà, ça, c'est du teasing en vrai. Non, parce que je ne tease pas. Alors ce soir, nous allons partir sur du Dofus. J'espère que vous aimez ça. Normalement, oui. Alors c'était très marrant parce que d'ailleurs, Dofla a sorti... Attends, je vais aller voir sur son Twitter. Les meilleurs youtubeurs Dofus. Savez-vous qui sont-ils? Les meilleurs youtubeurs Dofus. Top 7 des youtubeurs Dofus, donc sur Social Blade. En 7ème, il y a Medosh avec 190 000 vues par mois. Donc c'est beaucoup, c'est pas mal. C'est quand même pas dégueu. En 6ème, il y a Joystick. 5ème, Uz. 4ème, Sapeux. 3ème, Doflamingo. Ensuite, Asphax. Et en premier, évidemment, c'est Humility. Sans très grande surprise, honnêtement personne n'est étonné. Ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait pas de meufs dans ce classement. C'est bien dommage. Comme quoi, il n'y a que des mecs youtubeurs Dofus. Parce que bon, même moi en vrai, je pense pas. Quand bien même, ce qui n'est pas le cas sur le mois de. Ça doit être des stats du mois de juillet, du coup, j'imagine. Parce qu'ils publient ça le 22 août. C'est quand même bizarre de publier des stats du mois en cours. Donc ça doit être celle du mois de juillet. Vu le nombre de vidéos que j'ai sorties au mois de juillet, je n'ai certainement pas atteint les 190 000 vues, c'est sûr. Et quand bien même je les aurais, je ne pense pas être référencée dans cette liste parce que je fais beaucoup trop de choses de type hétéroclite. Je touche beaucoup trop pas tout pour avoir l'étiquette Dofus, je pense. Je pense que je suis... Tu vois, parce que là, ça reste quand même... Enfin, tu regardes leur chaîne à eux, c'est full Dofus, hein, ces gens-là, au final. Hein. Ce qui n'est vraiment pas mon cas. D'ailleurs, dans quelle catégorie on pourrait mettre de chaîne, je sais pas trop. Hein. Mais voilà, y'a pas Nao dans le top 7. C'est un scandale. C'est du mansplaining. Ouais. Après, j'ai pas envie de faire forcément... Enfin, j'ai pas envie de faire plus de Dofus, juste pour faire du Dofus. Alors que, honnêtement,
raisonnement. Ce serait début facile, des vidéos faciles, pas trop de travail de montage, tu peux faire, tu parles de l'actualité du jeu, t'as pas besoin d'avoir forcément du gameplay derrière, etc. Mais je préfère vraiment vous faire des trucs un petit peu plus moi, quoi, des trucs un petit peu drôles, des trucs où finalement tu t'en fous un peu du jeu auquel c'est, parce que tu sais que tu regardes la vidéo, tu vas te marrer, comme voilà. Après, toutes les vidéos n'ont pas le même résultat forcément, tu vois, parce qu'il y a des gens qui regardent quand même un petit peu c'est quoi ce jeu avant de regarder. Mais ouais, moi on peut dire je fais du multi gaming, hein. Quand est-ce que tu rejoues à Wakfu? Je peux te PL et j'ai 6 persos level 200. En Wakfu, pas tout de suite, parce que bon, on a quand même Dofus qu'on aimerait bien avancer les mises à jour et pas que les events. Alors là, on est plus sur l'event que sur le contenu des mises à jour. Y a WoW qu'on aimerait bien avancer aussi pour peut-être un jour participer à un rush d'extension, si cela pouvait arriver, ce serait cool. Il y a aussi Guild Wars qu'on doit continuer, bien sûr, on n'a pas oublié. Et après, peut-être, à la rigueur, il y aurait Wakfu. Donc tu vois, il est quand même un petit peu en bas de la liste. Mais on n'oublie pas, hein, qu'on a notre panda sur... J'étais sur Aerafile ? Je sais plus, tu vois, j'ai déjà oublié. Et salut à vous qui nous rejoignez, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, nous allons partir passer une petite soirée. À quand du God of War ? Eh bien, God of War, je sais pas trop. Je pense que si je fais un live samedi, je... Ah bah non, de toute façon, je peux pas faire de live dimanche, je suis prise, n'est-ce pas ? Mais, ce sera samedi, du coup. Et, du coup, peut-être qu'on peut... Ah bah, lundi, il y aura le Donjon Rusher compte à rebours. On fera probablement du God of War dans la semaine, hein, je pense. Mais je ne saurais pas encore te dire quel truc. C'est vrai que vu comme ça, je suis quand même vachement joueuse et MMO. Hein. Est-ce que le quartier d'Ophus est le plus gros Sharkama vu tout ce qu'il y a à côté? C'est vrai que notre open space est le plus grand. Si on doit faire du Kikimeter, nous avons l'open space le plus fat. Mais maintenant, il y a tout dans notre open space. Il n'y a pas forcément les autres qui sont un peu plus... Split. Et si vous voulez vous mettre à Dofus, parrainage. Si tu veux commencer Dofus, je peux être ta marraine. Je serai ta marraine, la bonne fée. J'ai ma baguette. Trop bien. Le Kikimeter. Bah oui, vous dites pas ça, vous. Trop cool. Waouh, trop RP la marraine. Non, ça fait plaisir. Je sais pas du tout à quelle heure j'ai lancé le live. Oh, she's being the cat. C'est beau les vacances. Je fête mes 6 et 7 mois à une semaine d'intervalle. Merci à toi pour le soutien. Ça fait plaisir que vous soyez là, toujours aussi nombreux. Ça y est, on a repassé le cap des 100 petits renards. Ça fait plaisir. Donc merci à tous. Et embarquez dans le train en direction de la Nord. Oui, je réfléchissais à l'heure où j'avais lancé le live pour savoir qu'on part au moins une petite quinzaine de minutes avant de partir sur le jeu. Jeu où il y a du monde qui veut nous attendre. Ah oui, ça me rappelle un truc d'ailleurs que je dois faire. Lana Ordi, quel fabuleux pays. Mais je suis la reine, alors c'est normal. franchement, j'aurais kiffé être la princesse de Naordi. Yo, toujours renard ou pas? Écoute, je ne vois pas ton badge. A priori, tu n'es pas un petit renard au sens stricto sensu du terme. Mais du coup, s'il faut 5 kikis pour faire un metteur au minimum, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Voilà là, Naomi descend de ton nuage, bah quoi, on a le droit de rêver, non? C'est toujours beau de rêver. Et puis c'est pas tout de rêver, il faut vivre ses rêves. Voilà. Et le principal truc, et ça je l'ai compris maintenant, bah c'est d'oser en fait. C'est un moment, tu te dis... Ouais, c'est cool, et maintenant comment je le fais? Et surtout, genre, passer à l'action, c'est le plus important. Même si c'est un petit pas, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour les Naordiens, tu vois, genre. Exactement. Mais y'a pas des mains de renard! Comment ça, y'a pas un renard dans une fougère? T'as pas bien regardé. Il est là! Mais il y aura d'autres.
travaille sur la question. Il ne faut pas rêver sa vie, mais vivre ses rêves. Exactement. D'ailleurs, j'ai d'autres petites énigmes Nao de Perforas. Oulala. Oulala, c'est fou. Est-ce que je vais réussir? Parce que la dernière fois, c'était des énigmes assez compliquées ou assez sexuelles. Désolée, pas d'argent, MDR pour la dèche. Eh bien, écoute, pas de soucis, si tu ne peux pas t'abonner, sache qu'avant tout, partager mon contenu, c'est gratuit et ça soutient beaucoup. Voilà. Pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir un sub, par exemple, sachez que il y a plein de choses que vous pouvez faire pour soutenir mon contenu, la chaîne, etc. sur les réseaux. Voilà, c'est de partager avant tout. T'inquiète, c'est du niveau 5. Vas-y, vas-y, balance. Je suis prête à répondre à tous les énigmes. Je suis entraînée. Envoyez-lui de la raclette. Mais Alex Mock TV, c'est le soutien infini. Ceci étant, ce n'est pas faux. Mais après, c'est, il faudra me rouler et tout, alors que j'essaye de fit ça pour Instagram, tu vois. J'arrive quand on sort sexuel. Ah oui, alors bon, bienvenue à ceux qui arrivent. Je vais le redire. Sexuel. Non, mais pourquoi je disais ça? Ah oui, l'énigme de Perforas, là. Vas-y, balance. Je suis prête. Je suis prête. Faut te rouler, je veux voir ça. Bah écoute, bientôt à ce rythme. En plus, on a le capa renard. Souvent jumelé, je sers de support puissant. Je suis utile dans la mort, qui suis-je? Je sers de support. Les pieds. On les a par deux. Je sers de support, on tient sur nos pieds. Puissant, c'est puissant. Je suis utile dans la mort. Alors pourquoi le pied dans la mort? Le pied dans la tombe, crois pas. Ma vie. Un Dofus! Ouais, effectivement, on peut voir ça comme ça. Ils vont par paire, dans le sens que dans le Dofus, il y a donc un héliotrope et un dragon qui sont jumelés. Je sers de support puissant, peut-être pour de la magie, je ne sais rien. Et utile dans la mort, parce que quand tu meurs, tu retournes dedans. Peut-être, hein. J'étais pas sur les trucs RP Crossmos, par contre. Hein. Donc on avait dit facile, voilà, exactement. Un renard mort, mais hé. Alors là, par contre, pas de renard mort sur ce chat. Hein. Moi je guette en ce moment les t-shirts QWERTY comme un petit renard. Parce que du coup, en ce moment, voilà, je suis dans mon. J'ai mon petit panda d'ailleurs qui fait la. Free Eggs. Comment ça, c'était facile? Mais c'était pas facile du tout, arrête-toi. Et salut à ceux qui nous rejoignent. Tu as vu le t-shirt QWERTY Viking World Tour? Non, j'ai pas vu. C'est pas Viking, c'est Wiking d'ailleurs. Ah si, c'est Viking. Non, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Bon, et si on partait faire du jeu vidéo? Moi, ça me tente pas mal, je sais pas vous. Nous allons donc mettre... Bien d'événements, ils défilent et les propices au coup de fil, parfois conçus pour piloter. Hein? Bien d'événements, ils défilent, un dressing, elle est propice au coup de fil. Une cabine! Et boum! Et voilà. Vous avez pas dit que j'étais shot pour les énigmes aujourd'hui? Bien sûr que si! GG Nao! Ah! Fakeuse! Alors, nous allons lancer le jeu. C'est parti, c'est en cours d'allumage. Attachez vos ceintures. Nous allons commencer. Thank you.
Alors, nous allons pouvoir couper la musique et mettre le jeu vidéo.